Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Rencontre sur les réseaux sociaux, l'émission de mentoring où je vous donne des conseils pour réussir votre vie chrétienne et réussir bien sûr votre destinée. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important qui est le ministère de guérison. Je vais vous enseigner pendant ces prochaines émissions Rencontre sur les réseaux sociaux comment exercer le ministère de guérison. Je prie pour les malades depuis que j'ai 14-15 ans et j'ai déjà pas mal de résultats que j'ai vus et je peux vous dire que Jésus-Christ est véritablement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous devez absolument écouter cet enseignement, écouter ce que je vais vous dire. Ça va énormément vous aider à pratiquer la parole de Dieu et à imposer les mains aux malades afin que ceux-ci soient guéris. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que vous puissiez démontrer le royaume de Dieu. Rappelez-vous de ce que la parole dit. Le royaume ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et en manifestant la guérison divine, nous allons démontrer au monde que le Seigneur Jésus est vivant et que s'il est vivant comme la Bible le dit, il devrait être capable aujourd'hui de faire les choses qu'il a faites il y a plus de 2000 ans maintenant. Gloire à Dieu. L'émission se rencontre sur les réseaux sociaux et généralement, je prends le temps, comme la Bible dit, de saluer les autres, de vous saluer les uns les autres par un saint baiser. Ben, je ne peux pas être là où vous êtes devant votre ordinateur et vous faire la bise. Mais par contre, devant mon ordinateur et sur mon Facebook, je peux bien sûr vous saluer. On va passer une émission, mais formidable et puissante dans la présence de Dieu. Soyez prêts, je vais voir qui est là, comme j'ai l'habitude de le faire avant de commencer l'émission. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui sont là, vous pouvez commencer déjà à partager pour que ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a live puissent être au courant et être bénis. Gloire au Seigneur. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Gloire à Dieu. Qui est là? Qui est là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. On va parler de ce thème-là qui intéresse beaucoup les chrétiens. Et je comprends que certaines personnes veulent voir se produire aujourd'hui les guérisons et les miracles que le Seigneur a promis dans la parole. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons ces guérisons se produire. Et je crois, mes chers frères et sœurs, que je vais vous apporter quelques éléments qui vont vous aider. Ah, je vois déjà que Yvan est là et Caroline aussi est là. Yvan et Caroline sont de Granby. De l'église du pasteur Joël Spinks. Vraiment, salutations à toi Yvan, salutations à toi Caroline, salutations à Sandy Lobs qui est toujours au rendez-vous, Martine aussi qui est toujours au rendez-vous, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Ce sujet est très 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 important, il est très 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 powerful, gloire à Dieu. Je vous attends, venez nombreux. Bonjour Livio, gloire à Dieu. Bonjour Livio. Ouais, c'est cela même. Gloire à Dieu. Donc, commencez à partager pour que les autres soient au courant. Hein. Vous cliquez juste sur le bouton en bas « Partager » et vous partagez sur votre mur et votre entourage saura. Sarah Laguerre, bonjour. Estelle, bonjour. Metal Akini, bonjour. Gérald, hein, son pseudo c'est Tab Courts, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer une très, très belle émission. Gloire à Dieu. Ok, très bien. On va commencer parce qu'on a pas mal de choses à voir. On a pas mal de choses à voir. On va commencer dans quelques minutes. Gloire à Dieu. Vous savez, quelqu'un me rendait témoignage la dernière fois, je crois que c'était mardi. La personne me disait que ça fait déjà un petit moment qu'elle m'écoute à travers l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'elle m'écoute, elle est édifiée, encouragée et sa foi passe à un autre niveau. Je ne peux que dire gloire à Dieu pour ça, parce que la raison pour laquelle le Seigneur nous
nous suscite à vous enseigner, nous amène à vous enseigner la parole. C'est pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez encouragés. Gloire au Seigneur. Lorsque nous lisons les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean, et même lorsqu'on voit Actes des apôtres, on voit le ministère de Jésus et le ministère des apôtres être jalonné par des miracles et de guérisons corporelles. Quand on étudie les évangiles et on étudie un peu la Bible, on comprend que la guérison a une place très importante dans le cœur de Dieu. L'homme est fait en trois dimensions. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et Dieu va s'intéresser à la santé et à la guérison du corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand il envoie Jésus mourir à la croix, l'une des missions du Seigneur Jésus, c'est de nous sauver aussi de la maladie. Parce que le Christ est mort pour nos péchés, pour nous donner le salut. Mais la Bible dit qu'il a porté sur lui toutes les douleurs. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le Seigneur a pourvu à la guérison divine à la croix de Golgotha. Et d'ailleurs, la tournée de foi et de guérison que je démarre ce week-end à Lyon, à 33 rue Louis Saillant, à Vaux-en-Velin. Je vais enchaîner la semaine d'après à Rennes, à 36 rue des Veillettes. Et après, en début octobre, fin septembre, début octobre, nous serons à Paris, au 36-34 avenue du président Salvador Allende, à Montreuil. Le but de cette tournée, c'est de vous montrer ces vérités, vous expliquer pourquoi Dieu tient tant à la santé du corps, à la guérison divine et pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est mort, il n'est pas mort que pour nous racheter de nos péchés, il est aussi mort pour nous charger, pour se charger de nos maladies afin que nous ne soyons plus malades. Pourquoi le Seigneur l'a fait ? Parce que Dieu, quand il a créé l'homme en trois dimensions. Et l'homme, pour opérer sur la terre, a besoin d'un corps. Si votre corps ne fonctionne pas bien, vous n'allez pas efficacement opérer sur la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable va attaquer votre corps par la maladie pour que vous ne puissiez pas être efficace et productif sur cette terre. Nous avons vu les deux dernières semaines que c'était important de découvrir sa destinée et de l'accomplir. Si votre corps est malade, vous ne pourrez pas efficacement accomplir la volonté de Dieu pour vous. Parce que nous opérons dans le monde naturel, nous opérons sur la planète Terre. Vous savez, dans l'univers entier, la planète Terre n'est pas la seule planète, vous savez, mais dans la planète Terre, nous opérons avec un corps. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre aux hommes. Il est illégal à un être spirituel d'opérer dans le monde physique, vous comprenez, continuellement, de façon régulière, sans corps. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je pèse bien mes mots. Même les êtres spirituels qui vont influencer le monde physique vont passer par des êtres humains qui ont un corps. C'est la raison pour laquelle le diable, pour détruire les hommes, il passera par d'autres hommes. C'est la raison pour laquelle les anges ne vont faire qu'assister les hommes dans le combat spirituel qui va avoir une conséquence dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous parle de ça, il y a deux vérités à retenir. La première vérité, c'est que pour retransmettre la guérison divine, Dieu a besoin d'un corps, Dieu a besoin d'un être humain, Dieu a besoin de vous. Et c'est de ça dont nous allons parler. La deuxième vérité, c'est de ça que nous allons voir. La deuxième vérité ici, c'est que notre corps est utile pour pouvoir opérer dans le monde physique. Est-ce que vous arrivez à me suivre, mes chers frères et sœurs? Et là-dessus, c'est important que vous compreniez alors pourquoi le diable attaque l'enseignement sur la guérison. Il attaque l'enseignement sur la guérison, tout comme l'enseignement sur l'abondance et la prospérité divine. Il attaque cet enseignement parce qu'il sait qu'il limitera l'impact des enfants de Dieu sur la terre s'il arrive à semer le trouble, la confusion et l'ignorance dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons donc, pendant
pendant ces jours qui viennent, parler principalement de la guérison divine, parler du ministère de guérison. Aujourd'hui, on va commencer par le ministère de guérison et mardi, certainement, on va continuer aussi sur le ministère de guérison. Et après, nous allons parler de la guérison divine. J'aimerais vraiment que pendant ce mois, on puisse vraiment parler de la guérison. Ça nous permettra de préparer les terrains par rapport à la tournée de foi et de guérison que nous organisons à Lyon, à Paris et à Rennes, pour que lorsque vous viendrez recevoir votre guérison ou vous viendrez recevoir la parole de Dieu, vous ayez déjà le cœur labouré, le cœur préparé. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, la guérison divine est importante aux yeux de Dieu. La santé divine est importante aux yeux de Dieu parce que l'être humain, pour opérer sur la terre, a besoin d'un corps. Et donc, si le diable réduit, vous comprenez, votre efficacité en vous mettant une maladie, c'est parce qu'il sait qu'en le faisant, vous ne serez plus du tout efficace. Bonjour à Samira, bonjour à Aïda, au pasteur Aïda, bonjour à Rosa Gaspard, bonjour à Joseph Abouessi. Partagez, mes chers frères et sœurs, commencez à partager. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je ne vois aucun partage là. Commencez à partager, mes chers frères et sœurs. D'autres personnes ont besoin de savoir que ce live est en train de se passer. Il y a peut-être, il y a certainement quelqu'un qui est quelque part derrière son écran d'ordinateur, de portable ou d'iPad ou de tablette qui a besoin d'entendre ce message pour recevoir la guérison. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi déjà? La bonne nouvelle, c'est que la volonté parfaite de Dieu est que vous soyez en bonne santé, ok? Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu, et que vous soyez en bonne santé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous allons voir ça. On va voir, mes chers frères et sœurs, que Dieu veut guérir tout le monde. Lorsque vous voulez exercer le ministère de guérison, c'est important que vous compreniez déjà que Dieu veut guérir. C'est la volonté de Dieu. C'est, excusez-moi, c'est peut-être fort le terme, mais c'est stupide de pouvoir vouloir exercer le ministère de guérison et de ne pas croire que la volonté de Dieu est de guérir les gens. Sinon, pourquoi il vous donne cette envie d'exercer le ministère de guérison? Sinon, pourquoi il vous équipe par rapport au ministère de guérison? Bon, soit dit en passant, nous allons un peu faire des précisions terminologiques. Pourquoi on parle de ministère de guérison? Parce que quand on voit les cinq ministères dont Éphésiens nous parle, il n'y a pas là-dedans spécialement le ministère de guérison. Même si dans 1 Corinthiens, la Bible dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes et d'autres qui ont les dons de guérison. Même si on voit que dans 1 Corinthiens, cela est cité un peu comme un ministère, mais lorsqu'il faut s'apesantir tout simplement à Éphésiens chapitre 5, pourquoi le ministère de guérison ne figure pas et pourquoi on emploie le terme ministère de guérison? On emploie l'expression ministère de guérison pour désigner cette organisation qu'il y a autour d'un don de guérison. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un qui va avoir un don de guérison va manifester aussi l'onction de guérison et la personne aussi manifestera la foi pour la guérison. Et pour exercer le ministère de guérison, pour exercer la guérison à des foules et à des masses, la personne aura besoin de s'organiser. Organiser les choses pour que son don puisse opérer de manière efficace, pour que sa mission puisse opérer de manière efficace. Et toute cette organisation va être appelée ministère de guérison. Et les hommes de Dieu qui vont régulièrement se concentrer sur la guérison des malades, on dira donc qu'ils ont un ministère de guérison. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Aujourd'hui, par exemple, dans le milieu chrétien francophone, le milieu chrétien, pas francophone forcément, on peut citer quelques ministères de guérison, notamment le pasteur Bénin qui a un ministère de guérison, le pasteur Chris Oyakilome qui a un ministère de guérison et beaucoup d'autres personnes, par exemple l'évangéliste T.L. Osborne, avant qu'il ne puisse mourir, lui aussi il avait un ministère de guérison et sa fille a pris la relève. Donc tout est organisé dans le ministère autour du don, autour de l'onction, autour de la foi
foi en la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Généralement, ces personnes-là ne peuvent pas passer quelque part sans prier pour les malades. Et quand vous les recevez, vous devez vous préparer et préparer l'assemblée pour que les gens reçoivent la guérison divine parce que leur ministère est focalisé là-dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un ministère de guérison. Maintenant, vous qui aspirez à la guérison, vous qui voulez vraiment dispenser la guérison aux gens, on dit alors que vous aspirez au ministère de guérison. Et plus tard, lorsque vous allez pleinement entrer dedans, il va falloir organiser, vous suivez votre structure, pour que la guérison soit, comment on peut dire ça, pleinement manifeste dans vos réunions. Est-ce que ça vous arrive à me suivre? Gloire à Dieu. Si vous avez compris ça, alors j'aimerais vous donner quelques arguments pour vous prouver que Dieu veut véritablement guérir. Parce que vous ne pouvez pas aspirer au ministère de guérison et ne pas croire, ne pas avoir la conviction, ne pas prêcher, ne pas dire que Dieu veut guérir. La question, ce n'est pas d'abord est-ce que Dieu veut guérir tout le monde. La question, c'est déjà est-ce que Dieu veut guérir? Est-ce que la guérison divine est dans la volonté de Dieu? Oui, elle est dans la volonté de Dieu. Est-ce que la guérison divine est toujours d'actualité aujourd'hui? Oui, la guérison divine est toujours d'actualité aujourd'hui. Parce que vous rencontrez des pasteurs, des enseignants qui vont dire que les miracles de guérison que Jésus a fait dans le passé et que les apôtres ont fait dans le passé ne peuvent plus se faire aujourd'hui parce qu'à l'époque, le Seigneur Jésus le faisait, même à travers les apôtres, pour lancer son église et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mes chers frères et sœurs, ne croyez pas en cet enseignement. La Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu qui est dans la Bible s'adresse aux chrétiens primitifs, s'adresse aux chrétiens 100 ans après l'église primitive, 200 ans après l'église primitive, 1000 ans après l'église primitive et aujourd'hui 2000 ans après l'église primitive. Et ces paroles de la Bible s'adressent à nous. Par exemple, dans Marc chapitre 16, Marc 16, 23, si je ne me trompe pas, la Bible va nous dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, pas 23, excusez-moi, Marc 16, 17, pas 23, hein, ignorez ça, ok. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que je trouve où est-ce que j'ai eu le 23 là dans ma mémoire, mon Dieu. Et à chaque fois que je cite ce verset, je ne sais pas ce que le 23 là vient faire dans ma tête. Il faut vraiment que j'arrive à comprendre où est-ce qu'il vient. Ah là 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 là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce verset biblique de Marc 16, 17, 18 s'adresse à tous ceux qui ont cru. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus est en train de parler aux disciples là et il s'adresse à tout le monde après sa résurrection. Il dit, ceux qui croiront, voici les signes. Et parmi les signes, il y a l'imposition des mains aux malades et les malades sont guéris. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Donc, si ce verset biblique s'adresse à nous aujourd'hui. Eh bien, chers frères et sœurs, nous ne pouvons donc pas dire que la guérison divine n'est pas d'actualité aujourd'hui. La guérison divine est d'actualité aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Et donc, c'est important que vous compreniez que Dieu veut donc guérir, sinon il n'aurait pas équipé les uns des dons de guérison, l'onction de guérison, sinon il n'aurait pas donné la parole pour que nous ayons foi en la guérison divine. Gloire à Dieu. Premier argument, Dieu veut vous guérir, Dieu veut guérir les hommes parce qu'il les aime. Donc si vous dites que Dieu aime les hommes, vous devez être capable alors de pouvoir prêcher la guérison divine parce que la Bible nous dit
que le Seigneur Dieu a oint le Seigneur Jésus de Saint-Esprit de vivant qui allait de lieu en lieu faisant du bien. L'une des manifestations de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, c'est le fait que le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et nous savons tous que le Seigneur, dans tout son ministère, il guérissait les malades. Et ça, c'est même le deuxième argument. La guérison avait une place importante dans le ministère de Jésus-Christ. Si vous enlevez la guérison et le miracle dans le ministère de Jésus-Christ, vous enlevez plus de la moitié des faits du ministère de Jésus-Christ. Jean dira même que si on racontait, si dans un livre, s'il fallait qu'on raconte dans un livre, tout ce que le Seigneur Jésus avait fait, il n'y aurait aucun livre sur la terre qui pourrait contenir ses écrits. Si Jean peut le dire, c'est que le Seigneur Jésus a vraiment fait beaucoup de miracles, que ce soit les miracles de guérison, que ce soit des miracles de provision, il l'a véritablement fait. Donc, ça avait une place importante dans le ministère de Jésus-Christ. Ce n'était pas pour rien. Parce que si le Seigneur Jésus était venu tout simplement pour prêcher la parole, il l'aurait fait. C'était le cas de Jean-Baptiste. On a lu nulle part dans les Écritures que Jean-Baptiste avait fait un miracle. Mais Jean-Baptiste avait un appel bien précis. C'était préparer le cœur du peuple à la venue du Messie. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, il a amené la parole, mais il a amené aussi la guérison pour prouver qu'il a guérison a une place importante dans le cœur même de Dieu. Le troisième argument en faveur du fait que Dieu veut guérir véritablement et que ça vaut le coup de pouvoir aspirer au ministère de guérison, c'est qu'il s'est chargé de nos maladies. Vous prenez Ésaïe 53, verset 4. La Bible nous dit, je vais lire Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4, la Bible va nous dire, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. » Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Écoutez-moi bien, si le Seigneur a porté nos souffrances, c'est pour que nous ne puissions pas souffrir. S'il a porté nos douleurs, c'est pour que nous ne puissions plus avoir des douleurs. S'il a été frappé et humilié, s'il a été transpercé à cause de nos fautes, c'est pour que nous ne soyons pas déclarés coupables. S'il a été écrasé à cause de nos fautes et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, ça veut dire que nous n'avons pas des raisons de vivre dans le trouble. Alors la paix, le Seigneur a pourvu à cela parce qu'il est mort sur la croix par toutes ces choses. Et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce passage d'Ésaïe est au présent parce que par les meurtrissures de Jésus, effectivement, nous sommes guéris. Mais lorsque nous voyons 1 Pierre chapitre 2, verset 24, ce passage ne sera plus du tout au présent. Ce sera une toute autre réalité. Juste pour vous dire que cela a été fait et que cela a été accompli déjà. Et si cela a déjà été accompli, mes chers frères et sœurs, nous devons prendre possession de cela et considérer cela comme un héritage que nous devons posséder. 1 Pierre 2, 24 nous dit ceci. La Bible va nous dire... lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés, là c'est au passé, en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Si la meurtrissure du Christ vous a guéri, au moment où vous m'entendez parler, je vous dis, vous qui êtes malade, que la meurtrissure du Christ vous a guéri. Si ça vous a guéri, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Alors, les symptômes que vous ressentez aujourd'hui sont complètement illégaux et elles sont anormales. Vous devez vous saisir de cette parole et dire, il y a des années de cela, il a porté ma maladie, il a porté ma souffrance, il a porté ma douleur, je n'ai plus de raison d'avoir mal quelque part, je n'ai plus de raison de souffrir, je n'ai plus de raison d'être malade parce que ça fait des années déjà que le Seigneur l'a fait. Et c'est comme avec une assurance. Lorsque vous allez chez un assureur et que vous payez une assurance, mes chers frères et sœurs, c'est pour que, en cas d'accident, l'assurance puisse tout couvrir. Écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus a
payé l'assurance de votre santé divine. Il a payé l'assurance de votre guérison divine et c'est à vous de vous prévaloir de cela. Parce que vous pouvez faire un accident, par exemple, alors que vous êtes assuré. Si vous n'allez pas voir l'assureur et lui dire « Je suis assuré, alors je ne dois pas payer les dommages », bien aimé, l'assurance ne va pas se bouger. C'est comme la guérison divine. Le Seigneur a payé. C'est à nous de nous prévaloir de cela en déclarant au diable, en déclarant à la maladie, en déclarant aux circonstances défavorables que cette histoire de maladie a déjà été payée à la croix de Golgotha et que vous n'avez plus besoin de l'être. Et ça, vous le saisissez par la foi. Ça, vous le saisissez par la déclaration. Ça, vous le saisissez, mes chers frères et sœurs, par la conscience que la parole de Dieu est véritable. Et vous verrez, vous marcherez toujours dans la santé divine. Toi qui veux exercer le ministère de guérison, si tu ne réalises pas ces choses simples que je suis en train d'expliquer, il te sera difficile de dispenser, vous comprenez, la guérison divine aux gens. Donc, c'est la volonté parfaite de Dieu de vous guérir, de guérir quiconque veut être guéri. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Parce que ce verset biblique d'Ésaïe et de 1 Pierre concerne chaque être humain sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte que la guérison divine a déjà été pourvue pour chaque être humain sur la terre? Écoutez-moi bien, né de nouveau ou pas né de nouveau, la guérison divine a déjà été pourvue. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Il y a certains qui me regardent, qui sont choqués, qui disent « Mais non, la guérison divine a été pour vous, pour ceux qui sont sauvés. » Non, Jésus est mort pour le monde et le monde a le potentiel d'être sauvé. Les gens peuvent être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Leur salut a déjà été pourvu à la croix de Golgotha. Le pardon des péchés a déjà été accordé à la croix de Golgotha. Quiconque accepte le pardon des péchés, accepte la parole de Dieu et accepte le pardon de péché sera pardonné. Alors la guérison divine, le package du salut lui sera attribué. Que ce soit la guérison, que ce soit la prospérité, ça lui sera attribué. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans quelques instants. Je reviens. Gloire à Dieu. Vous réalisez ça, mes chers frères et sœurs, vous pourrez effectivement exercer la guérison. Gloire au Seigneur. Je vais voir un peu qui est là. N'hésitez pas, partagez au maximum de personnes. Partagez, mes chers frères et sœurs. Partagez cette émission pour que les gens puissent recevoir. Gloire à Dieu. Comment ça va, Ernest? Comment ça va, Magnesca Ambroise? Comment ça va, Jimmy? Comment ça va, Géraldo Zadi? Gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Donc, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Donc, j'ai parlé du fait que Dieu veuille vous guérir. Maintenant, quand vous voulez exercer le ministère de guérison, vous devez comprendre les canaux par lesquels Dieu va passer pour exercer la guérison. Les canaux par lesquels Dieu va passer. Et on va étudier ces canaux-là tout le long. On va peut-être revenir dessus à chaque fois pour que vous puissiez saisir et comprendre. Le premier canal, c'est les dons de guérison. Le deuxième canal, c'est l'onction de guérison. Le troisième canal, c'est la foi en la guérison, la foi en la parole de Dieu. Ok, ça ce sont les canaux qu'il faut vraiment étudier. Le truc c'est que celui qui exerce le ministère de guérison verra un mélange de ces trois canaux. Un mélange de la dispensation de la guérison divine par les dons de guérison, un mélange de la dispensation par l'onction de guérison, mais aussi par la foi en la parole de Dieu. Et parfois, ce mélange nous empêche de correctement identifier ce qui est en train de se passer et parfois, ça nous met totalement dans la confusion. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1, chapitre 12 et chapitre 14, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Dès le verset 1, la Bible dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi. Par le même Esprit, à un autre des dons de guérison. Et vous allez remarquer qu'il y a S à guérison. Lorsqu'on exerce le ministère de guérison, il y a l'intervention de plusieurs dons. Okay? Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le truc avec les dons spirituels, c'est que très souvent, les dons vont s'imbriquer. Un don ne se manifeste jamais seul. Et je vous l'ai dit, il y a des semaines de cela, au début de l'été, au début de cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux, je vous ai expliqué qu'un don n'opère jamais seul ou un don opère rarement tout seul. Très souvent, quand la parole de connaissance va intervenir, la parole de sagesse viendra avec parce que ça ne sert à rien de pouvoir discerner une situation, de la dévoiler et de ne pas donner de solution. Notre Dieu est le Dieu de solution. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous exercez la guérison divine, quand vous allez commencer à dispenser le ministère de guérison, vous allez remarquer que les dons spirituels vont opérer entre eux. Est-ce que vous suivez? Par exemple, si vous opérez avec le don de guérison, vous savez, exercer la guérison par le don de guérison, c'est le don de guérison, c'est quelque chose d'inhérent à vous. Est-ce que vous suivez? D'inhérent à vous. Très souvent, l'ange de Dieu ou le Seigneur, par son esprit, va vous révéler ce qu'il faut que vous fassiez pour que ce don-là se manifeste. La majorité des dons des ministères de guérison qui manifestent le don de guérison vont vous dire, par exemple, le cas d'Oral Roberts. Oral Roberts, Dieu avait oint sa main gauche et Dieu avait dit à chaque fois que ta main gauche brûle, tu pourras imposer les mains aux malades et tu sentiras une onction quitter ta main et entrer dans le corps des gens. Le docteur Kenneth Hagin, docteur et prophète Kenneth Hagin, exerçait aussi dans la guérison divine. Lui, le Seigneur Jésus lui avait dit que quand il sentait ses deux mains brûler, c'est que l'onction de guérison était là, il pouvait imposer les mains aux malades et les malades allaient ressentir une force quitter le corps de Kenneth Hagin pour rentrer dans leur corps. Et le Saint-Esprit donnait même des précisions par rapport au fait que la maladie soit causée par un esprit impur ou tout simplement par des bactéries, un phénomène physiologique. Le Seigneur lui disait, quand tu imposes les mains à quelqu'un, si tu sens la chaleur quitter de ta main gauche vers ta main droite, ça veut dire que cette maladie est causée par un esprit impur. Alors tu dois ordonner à l'esprit impur de partir. William Marion Branham avait une autre façon d'exercer le ministère de guérison. William Marion Branham, par exemple, lui, il y avait un ange. Dieu lui avait mandaté, lui avait donné un ange. Et si l'ange n'était pas là, il ne devait pas commencer à prier pour les malades. Et il disait souvent qu'il entendait la venue de l'ange avec son oreille physique. C'était comme le bruit d'un craquement d'arbustes. Et quand il ressentait, quand il entendait cela, ça voulait dire que l'ange était là. Alors, il pouvait commencer à exercer le don de guérison. Et certains racontent certains de nos père dans le ministère et père dans la foi raconte que aux réunions de William Marion Branham, parfois on pouvait passer des heures sans qu'il ne commence à prier pour les malades, il ne faisait que chanter et il disait aux gens, j'attends l'ange, si l'ange n'est pas là, je ne pourrai pas du tout prier pour les malades. Et tout à coup, il disait, l'ange est là, on peut commencer et des résultats incroyables se produisaient. On raconte même que on amenait des camions de paralytiques et il priait pour eux et tous étaient guéris, vous comprenez, ou presque tous étaient guéris. Voici quelques exemples de personnes qui ont un don de guérison et le Saint-Esprit a expliqué comment est-ce que ce don de guérison opère. L'un des ministères de guérison aujourd'hui qui est vraiment en avant, le pasteur Chris Oyakhilome, dans une vidéo très très rare, parce que très rarement le pasteur Chris Oyakhilome explique comment on appelle ça,
comment la grâce de guérison s'est multipliée dans sa vie. Il explique les principes de la parole, tout ça, mais il y a une expérience qu'il a vécue dans une de ses vidéos où il raconte comment le Seigneur l'a mené en esprit et lui a expliqué comment prier pour les malades. Et le Seigneur lui a dit que quand il sera en face des malades, voici comment il agirait. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans certaines vidéos de guérison du pasteur Chris, vous remarquez qu'il fait parfois des gestes prophétiques, des actions prophétiques que certains ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi il fait ça? Mais ce sont des actes prophétiques qui vont déclencher son onction, qui vont déclencher plutôt son don de guérison, parce que le Seigneur lui a dit que son don de guérison va se manifester comme ça. Donc, vous allez retenir, pour simplifier les choses, que la manifestation du don de guérison va nécessiter un contact, hein, vous comprenez, avec la personne qui a besoin d'être guérie. Ça, vous retenez ça. Et vous retenez aussi qu'il y a un transfert de puissance qui se fait lorsqu'il y a ce contact et que celui qui exerce le don de guérison a reçu des informations du Seigneur sur comment faire fonctionner ce don-là. Il ne s'agit pas tout simplement de croire en la guérison divine et de venir commencer à imposer les mains aux malades et puis les malades sont tout simplement guéris. Il ne s'agit pas tout simplement de ça, parce que si vous imposez les mains aux malades et que les malades sont guéris et que vous n'avez pas ces informations dont j'ai parlé, que le Saint-Esprit vous a donné, ces informations qui sont inhérentes, spécifiques au don que le Seigneur vous communique, il se pourrait que les résultats que vous avez sont dus tout simplement en la foi, sont dus à la foi en la parole de Dieu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure parce que c'est important de saisir ça, parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans le milieu des années 90, le Saint-Esprit m'a parlé et j'ai commencé à sentir mes mains comme me chauffer. Et j'ai fait des jours et des jours, mes mains me chauffaient et parfois c'était mon esprit qui brûlait au-dedans de moi. Je sentais littéralement une chaleur dans mon cœur, dans mon esprit, et mes mains brûlaient. Et je ne comprenais pas pourquoi les mains brûlaient. Et je me suis arrêté et j'ai posé la question au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit que Dieu était en train de oindre mes mains pour la guérison, que Dieu était en train d'activer le don de guérison. À partir de ce moment, il a commencé à m'expliquer comment est-ce que ce don-là va marcher avec moi. Et j'ai compris que très souvent, le don se manifestait déjà par la manifestation de la parole de connaissance. Donc, il arrivait des moments où je me retrouvais dans des réunions et je commençais à avoir des visions des personnes qui étaient malades et je prononçais la parole de connaissance, les gens venaient. L'une des expériences qui m'a vraiment le plus marqué, c'est cette jeune fille, j'avais 19 ans et demi, cette jeune fille à qui on avait annoncé qu'elle avait un cancer généralisé. Cette jeune fille est venue à la réunion et ce jour-là, le Saint-Esprit a mis une parole de connaissance dans mon cœur. Donc, j'ai libéré la parole de connaissance et la jeune fille ne s'est pas levée, mais à la fin de la réunion, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit, c'est moi, j'ai eu peur de me lever. Et là, j'ai prié pour elle. Je lui ai imposé les mains quand j'ai prié pour elle. Je lui ai dit d'aller voir les médecins pour que les médecins puissent revérifier et délivrer justement un certificat de guérison. Et elle a laissé passer un jour, deux jours, le troisième jour, elle est allée voir le premier médecin qui était complètement abasourdi de ce qu'il voyait. Et la jeune fille allongée s'est mise à rigoler. Elle a dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin dit, c'est pas possible, je ne vois plus rien du tout. Il n'y a plus de traces de cancer, il n'y a plus de traces de lésions, il n'y a plus toutes ces choses-là. Et le médecin va lui dire, écoutez, je vais vous envoyer chez un autre spécialiste pour qu'il aille voir, pour qu'on essaye vraiment de comprendre ce qui se passe. La jeune fille est allée chez un autre spécialiste qui a examiné, je pense, on lui a fait des prises de sang, des radios, des choses comme ça. Et le deuxième spécialiste a bien confirmé qu'il n'y avait plus rien du tout, qu'elle a été totalement guérie. Et c'est comme ça qu'elle va revenir à l'église témoigner. On va se réjouir de sa guérison. Mais j'ai appris quelque chose là. Et quelques années plus tard, bien sûr, il y a peut-être 4 ans de cela, le miracle s'est produit il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Non, là déjà près de 20 ans. Et je l'ai revue il y a 4 ans à Libreville. Et c'est elle-même qui est venue vers moi. Elle m'a dit, Alain Patrick, tu te rappelles de moi? Je dis, oui, je me rappelle de toi. Et je lui ai donné son prénom. Elle dit, oui, effectivement. Et elle me dit, tu te rappelles que tu avais prié pour moi il y a des années de cela pour un cancer très avancé? Je dis, oui, je me rappelle très, très bien. Et tu te rappelles
rappelle que j'étais guéri. Je lui dis, oui, je me rappelle très bien. Elle me dit, mais ça tient toujours. Je n'ai plus jamais eu ça. Il n'y a même pas eu de récidive, rien du tout. La guérison a été scellée. J'ai béni le Seigneur. Mais j'ai appris une chose par rapport à la guérison. J'ai appris en étudiant le don que le Seigneur m'avait transmis, j'ai appris que la parole de connaissance allait se manifester avec ce don. Et très souvent, quand je vais prêcher dans les nations, très souvent, pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit va me donner des paroles de connaissance. Et quand il va me donner des paroles de connaissance, les gens vont s'approcher, je vais prier pour eux. Et parfois même, je n'ai pas besoin de prier pour eux. Parfois, je déclare tout simplement la guérison et la guérison prend place là où ils sont. Parce que là où il y a un don de guérison, mes chers frères et sœurs, il y aura forcément émanation d'une onction de guérison. Alors, c'est quoi exercer le ministère de guérison avec l'onction de guérison? Soyons clairs, mes chers frères et sœurs, quand vous avez un don de guérison, le don opère par l'onction. Ok, il y aura forcément un développement autour de vous d'une onction de guérison. Il y aura forcément une émanation de l'onction de guérison. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Pourquoi on fait la différence entre les deux? On fait la différence entre les deux tout simplement parce que vous pouvez être dans un environnement où il y a une émanation de l'onction de guérison, recevoir la guérison ou recevoir l'onction de guérison et commencer à avoir les mêmes résultats qu'à cette personne qui a le don de guérison. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Maintenant, l'intérêt aussi d'étudier l'onction de guérison et de la dissocier, lorsqu'on dispense la guérison, de la dissocier de la dispensation avec le don de guérison, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est au niveau du mode d'opération. Très souvent, celui qui a un don de guérison va développer une onction de guérison, surtout en face des foules. Il m'est arrivé de prêcher devant des centaines de personnes, je dirais même des milliers de personnes, et je peux vous dire que parfois je me suis aventuré à faire un appel et à imposer les mains à chacune des personnes. Au bout de la 60e personne, je commençais à avoir mal aux mains et je commençais sérieusement à me fatiguer. Et c'est là où la frustration vient parce que vous ne pouvez plus prier pour les gens parce que vous êtes fatigué et les gens sont là en file d'attente, ils attendent que vous puissiez prier pour eux. Alors comment opérer? C'est là où l'onction de guérison va intervenir. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a enseigné comment opérer dans la guérison lorsqu'il y a une foule. Donc, quand le don de parole de connaissance va se manifester, à partir de ce moment, je vais citer les maladies et je vais déclarer la guérison. Quand je vais citer la maladie et je vais déclarer la guérison, à partir de ce moment, les anges de Dieu vont commencer à opérer. Ce sont les anges de Dieu qui vont faire le travail. Lorsque vous exercez sous l'onction de guérison, les anges sont déployés, vous comprenez, dans toute la salle, et les anges vont commencer à agir. Est-ce que vous suivez? Une fois, je prêchais quelque part, mais c'était devant une foule. Et pendant que j'étais en train de prêcher, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et à un moment donné, je me suis arrêté. Et j'ai pointé du doigt au fond de la salle, à l'extrême gauche. J'ai dit au fond, à l'extrême gauche, c'était un temple qui pouvait recevoir 2500 personnes, je pense, si je ne me trompe pas. J'ai dit au fond, il y a quelqu'un qui souffre d'une hernie. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Jésus-Christ. Et ce même jour, je pointais du doigt en face et j'ai dit, il y a quelqu'un qui souffre d'un torticolis, je déclare maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Quelques temps après, lorsque nous recevions les témoignages, deux jours après, un jeune garçon est venu me voir, est venu plutôt témoigner. Les médecins devaient l'opérer suite à une hernie et il devait passer en salle d'opération le lendemain de la réunion. Donc, quand il a reçu la parole de connaissance, il est allé naturellement à l'hôpital, mais les médecins ont fait un checking avant de commencer l'opération et en vérifiant, les médecins se sont rendus compte que le jeune garçon était guéri, que la hernie avait disparu. Lui aussi, il a dit au médecin qu'il était à l'église la veille et qu'un pasteur avait prié pour lui. Ce jeune garçon, par exemple, je ne lui avais pas imposé les mains. Est-ce que vous suivez? Mais l'onction des guérisons, qui est une émanation de la puissance divine, l'a touché là où il est, est-ce que vous comprenez, là où il était, et il a reçu la guérison. Ce même jour, il y avait un monsieur qui avait été guéri du torticolis. Lui, c'est quelques jours après, il m'a interpellé dans la rue.
Et il me dit, pasteur, pasteur, vous avez prêché dans notre église et vous avez libéré une parole de connaissance au sujet de quelqu'un qui a un torticolis. Pasteur, j'ai été guéri. Tout le monde à l'église sait que je souffrais de ce torticolis depuis des années. Mon cou se bloquait. Je ne pouvais pas le tourner à gauche ni à droite parce que j'avais très mal. Et là, le monsieur me montre. Il dit, regarde, papa. Il dit, regarde, c'est parti complètement. Comment ça s'est passé? Il y a eu l'opération du don de parole de connaissance, vous suivez, avec l'onction de guérison. Est-ce que vous comprenez? Une émanation de puissance, vous comprenez, qui est due au don de guérison. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Dans des réunions de plusieurs millions de personnes, il vous sera difficile, vous comprenez, d'imposer spécifiquement les mains à tout le monde et de faire du one-one. Vous allez le faire pour quelques personnes, mais à un moment donné, la quantité de malades qui sont là, qui ont besoin de guérison, il va falloir que l'onction de guérison se libère. Maintenant, vous devez comprendre que quand vous opérez dans l'onction de guérison, il y a une atmosphère à développer, à avoir, vous suivez? Notamment, par exemple, la louange, une bonne adoration va faire grandir l'onction de guérison dans la salle. La soif que les gens ont de recevoir leur guérison, la soif de Dieu qu'ils vont avoir dans la salle, va augmenter l'onction de guérison et va augmenter l'efficacité de l'onction de guérison. La connaissance de la vérité augmentera aussi l'onction de guérison dans la salle. C'est pour ça que certains pasteurs, même moi, je préfère d'abord enseigner la parole de Dieu avant de prier pour les malades pour que l'onction grandisse, l'onction s'intensifie et là où les gens sont, ils reçoivent la guérison instantanément là où ils sont. Voici une autre façon d'exercer, de dispenser la guérison divine. La troisième méthode pour dispenser la guérison divine ou recevoir la guérison divine, c'est la foi en la parole de Dieu, la foi en la guérison divine. Comprenez-moi bien, quand vous aspirez à exercer la guérison, mes chers frères et sœurs, ces trois choses peuvent agir de façon concomitante. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez démarrer avec le don de guérison et pendant que vous faites le don de guérison, l'onction de guérison s'émane et il y a quelqu'un quelque part au bout de la salle qui est en train d'être touché. Et là, il y a quelqu'un qui est là, peut-être à l'extrémité, qui reçoit la chose en mettant tout simplement sa foi en action. Ce sont des déclarations du genre, si je vois tout simplement l'homme de Dieu, je sais que je suis guéri. Si j'arrive tout simplement à saisir la parole qu'il prêche, je sais que je vais être guéri. Et il y a des gens qui ont reçu la guérison rien que par ça. Et ça, c'est la guérison par la foi. En prenant la parole de Dieu, vous savez, en prenant la parole de Dieu au mot, vous pouvez recevoir votre guérison ou vous pouvez dispenser votre guérison. Je vais vous expliquer. Le prophète et docteur Kenneth Hagin raconte que lorsque le mouvement La Voix de la Guérison a démarré aux États-Unis, il y a beaucoup de prédicateurs qui se reposaient sur le don de guérison et sur l'onction de guérison pour dispenser la guérison divine. Il s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des limites à cette méthode. Pourquoi? Parce que vous savez, le don de guérison, pour qu'il fonctionne, il doit se déclencher. Et il y a des conditions qui vont favoriser le déclenchement du don de guérison ou pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je suis allé prêcher à Nantes un jour et j'avais l'intention de prier pour les sourds ce jour-là. Mes chers frères et sœurs, je ne peux même plus compter le nombre de sourds pour qui j'ai prié et ils ont entendu généralement les sourds d'une oreille, mais j'ai déjà vu les sourds des deux oreilles être guéris. Et ce jour-là, en allant prêcher à Nantes, je me dis, je vais prier pour les sourds aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça devenait vraiment récurrent dans mon ministère. À chaque fois, je priais pour les sourds entendaient. Et ce jour-là, je vais finir de prêcher et là, je vais demander à toutes les personnes sourdes de se lever. Et les sourds vont se lever. Quand ils vont se lever, généralement, quand je demande aux gens de se lever, l'onction vient systématiquement. Et je sais reconnaître quand est-ce que cette onction est là. Je sais reconnaître quand est-ce que le don est déclenché. Est-ce que vous suivez? Mais ce jour-là, les gens se sont levés et ils étaient là, ils attendaient. Et moi aussi, j'attendais que la chose se déclenche. Mais ça a pris une minute, ça a pris deux minutes, ça a pris cinq minutes, ça a pris dix minutes. Généralement, qu'est-ce que je fais pour attendre le déclenchement du don de guérison? Je vais, si on n'adore pas, je vais parler, je vais dire certaines choses pour attendre que ça arrive brusquement ou que ça se déclenche. Et très souvent, mes chers frères et sœurs, je vous le dis, à l'instant où je
je fais l'appel, ça vient. Mais ce jour-là, ce n'est pas venu à l'instant où j'ai fait l'appel. C'était sec, il n'y avait rien du tout. Et 10-15 minutes plus tard, j'ai dit aux gens, écoutez, rasseyez-vous, je n'ai pas l'onction là pour prier pour vous. Je n'ai pas, le truc ne s'est pas déclenché pour pouvoir prier pour vous. Et les gens se sont assis. Et quelqu'un est venu me voir à la fin du culte pour vraiment louer et apprécier mon humilité ce jour. Je lui ai dit, mais je ne peux pas faire quelque chose en dehors de ce que Dieu m'a dit de faire. Si le don n'est pas déclenché, ça va être compliqué. C'est là où justement le pasteur Kenneth Hagin, le docteur prophète Kenneth Hagin dira que lorsque le don ne se déclenche pas, lorsque l'onction ne se déclenche pas, parce que pour que l'onction se déclenche, il faut un environnement et une condition. Lorsque ça ne se déclenche pas, ce que vous faites, c'est que vous vous basez sur la parole de Dieu et vous utilisez votre foi. Votre foi est permanente et elle est là pour être utilisée. La foi est comme un bras invisible. Le déclenchement de votre foi ne dépend pas de Dieu, mais Dieu peut vous donner la parole pour fortifier votre foi, vous comprenez, et pour la faire grandir. Mais utiliser votre foi dépend de vous. C'est un bras invisible, c'est un bras spirituel. Et pour comprendre comment utiliser ce bras spirituel, mes chers frères et sœurs, c'est spirituellement que vous arrivez à le saisir. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas l'atmosphère et que vous devez prier pour les malades, à ce moment-là, vous utilisez votre foi. Les résultats que vous aurez dépendra bien sûr de l'état de votre foi. Si votre foi est petite, vous aurez certainement des résultats, mais pas sur le long terme. Si votre foi est grande mais faible, vous n'aurez pas de résultats parce que la foi qui apporte les résultats, qui amène les résultats, c'est la foi forte. Et si votre foi est faible, pour certaines raisons, vous n'aurez pas les résultats. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce qui peut affaiblir une foi, c'est quand elle est malade, parce que la foi a des maladies. Il y a ce qu'on appelle des maladies de la foi. Plusieurs d'entre vous, votre foi ne fonctionne pas parce qu'elle est malade. Par exemple, l'une des maladies de la foi, c'est la peur. Est-ce que vous suivez? La peur, lorsque vous avez peur, vous êtes stressé tout le temps. Vous comprenez, ça affaiblit votre foi et votre foi ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais si au moment où il n'y a pas l'atmosphère nécessaire pour l'onction de guérison, au moment où le don de guérison, vous sentez, il ne s'est pas déclenché, mais vous avez quelque chose au-dedans de vous que Dieu a mis dans votre esprit, cette chose appelée la foi, Dieu a mis dans chaque croyant la mesure de foi et vous pouvez l'utiliser alors pour aider les gens à être guéris. Mais les résultats, bien sûr, dépendront de votre foi. Si elle est forte et elle est grande, vous verrez exactement les mêmes résultats que si vous activiez le don de guérison et que si vous exerciez sous l'onction de guérison. La foi, c'est dans l'esprit que vous ressentez les choses. L'onction, physiquement, vous pouvez ressentir, parce que vous devez comprendre que l'onction est palpable. Elle est spirituelle, mais elle est palpable. L'onction est spirituelle, mais on peut la ressentir physiquement. Est-ce que vous comprenez? Le don de guérison, en fait, qui provoque aussi la puissance de guérison, ça aussi, c'est palpable. Ça aussi, vous pouvez ressentir les choses physiquement. Mais la foi pour la guérison, c'est dans votre esprit. Et si vous ne savez pas ressentir votre foi dans votre esprit et utiliser votre foi, mes chers frères et sœurs, vous serez complètement démunis. Et c'est comme ça donc que le prophète et docteur Kenneth Hagin disait que quand tous les autres pasteurs et prédicateurs baissaient les bras lorsque il n'y avait plus d'onction de guérison, lorsque le don n'était pas là, lui, il continuait à prier pour les malades. Et il raconte certaines expériences où l'onction était là pour la guérison et il se mettait à prier pour les gens recevaient la guérison et tout à coup l'onction s'étiole, l'onction disparaît. Si vous lisez mon livre « Saisir l'onction », j'explique là-dedans ce qui peut causer l'étiolement de l'onction, ce qui peut faire en sorte que pendant une réunion, l'onction puisse baisser d'intensité et comme disparaître totalement. Lorsque ça arrive et que la file d'attente est là, si vous renvoyez les gens, ils seront déçus. Que faut-il faire? Alors, il raconte que à partir de ce moment, il utilise sa foi, la foi en la parole de Dieu. Il arrête un tout petit peu la réunion. Il dit, écoutez, je ne sens plus l'onction de guérison, mais par contre, la Bible dit, en mon nom, ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Vous croyez en ce passage? Les gens disent, oui, on croit en ce passage. Il dit, alors, nous allons tous baser notre foi sur ce passage biblique. Est-ce que vous croyez
considérez que par cette meurtrissure, vous avez été guéri. Oui, alors nous allons baser notre foi là-dessus. Et quand vous allez venir, je vais m'accorder avec vous pour votre guérison afin que vous puissiez la recevoir instantanément. Et là, il commence à prier pour les gens et il vit exactement les mêmes choses que si le don était activé ou l'onction activé. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut nous maintenir en bonne santé à travers sa parole. La Bible dit « Il envoya sa parole et sa parole les guérit ». La volonté parfaite de Dieu est que vous soyez en bonne santé à travers la parole de Dieu, en basant votre vie sur la parole de Dieu, en basant votre vie sur ce que la parole dit, mes chers frères et sœurs. Et si vous ne le faites pas, mes chers frères et sœurs, vous pourrez toujours courir d'endroit en endroit pour rechercher la guérison. Si les gens qui prient pour vous n'ont pas une onction forte, vous reviendrez bredouille. S'ils ont une forte onction et un véritable don de guérison, vous recevrez la guérison. Parce que, après tout, Dieu donne des dons aux hommes pour aider ceux qui ont la foi faible, pour aider ceux qui ont du mal à mettre leur foi en action. C'est pour ça qu'il fait des dons aux hommes, parce qu'il est conscient qu'il y a des hommes qui auront une foi faible, qui auront une foi petite et qui auront du mal à recevoir. Dieu, dans son amour, va donc appeler des gens, va donc équiper des gens avec un don de guérison, une onction de guérison, pour que la guérison se manifeste facilement pendant les réunions. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point notre Dieu est bon? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point notre Dieu est amour? Mes chers frères et sœurs, ne doutez jamais de l'amour du Seigneur. Ne doutez jamais de la bonté de Dieu. Parce que le Seigneur a tout mis à notre disposition pour que nous marchions dans la santé divine, que nous marchions dans la guérison divine, et il a tout mis à votre disposition pour que vous soyez des dispensateurs de la guérison divine. Justement, ce week-end, nous démarrons la tournée de foi et de guérison à Lyon, à 33 rue Louis Saillant, c'est à Vaux-en-Velin. Après, nous allons enchaîner, bien sûr, à Rennes, à 36 rue des Veillettes. Je vais faire passer tout à l'heure l'annonce, mais les adresses de Rennes et de Paris seront quelque peu erronées, mais je vous donne les bonnes adresses. À Rennes, ça se passera à 36 rue des Veillettes. À Paris, on sera à la rue du président Salvador Allende, à Montreuil, au 34 et au 36. Est-ce que vous me suivez? Donc, je vais vous inviter à regarder ce spot et je vais répondre à vos questions parce que je crois que vous en avez. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'année scolaire 2016-2017 sera une année pour vous remplie de bénédictions et vécue dans la santé divine. C'est une année où vous allez recevoir la guérison suite à cette maladie peut-être qui vous a suivi la dernière année scolaire. Nous allons démarrer une tournée de guérison et de foi dans plusieurs villes de France et d'ailleurs. Et nous allons commencer en septembre avec Lyon. Donc du 10 au 11 septembre, nous serons au 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin. C'est juste à côté de Lyon. C'est au nouveau local de ACER Lyon. Nous vous attendons nombreux pour ce puissant service de guérison. Après, nous allons enchaîner à Rennes au stade Rennais. Donc du 16 au 18 septembre, nous serons au stade Rennais au 111 route de Lorient à Rennes. Et après, nous allons terminer cette première phase de la tournée à Paris, à l'espace Saint-Martin, du 30 septembre au 2 octobre. À l'espace Saint-Martin, ce sera au 199 bis rue Saint-Martin à Paris, c'est à Châtelet. On a déjà fait plusieurs événements dans cette salle. Et là, cette fois-ci, on vous attend encore un peu plus nombreux. Donc, ce sera sur la foi et la guérison. Il y aura une semaine avant, dans chacune des villes, une école de guérison dans laquelle on vous apprendra comment recevoir la guérison et garder la guérison. Donc, avant que le séminaire ne commence, à partir du mardi, vous aurez des cours
cours sur la guérison divine. Donc, si vous êtes malade et que vous avez besoin de guérison, inscrivez-vous dès maintenant sur evangile.tv. Inscrivez-vous sur notre école de guérison par rapport à la ville où vous êtes et les dates où vous voulez venir pour pouvoir participer à cette école de guérison avant que nous ne prions pour vous le week-end pendant la conférence. Je vous rappelle les dates. Donc, c'est le 10 et le 11 septembre à Lyon, 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin, le 16 et le 18 septembre au Stade Rennais, 111 rue de l'Orient, et le 30 septembre jusqu'au 2 octobre à Paris. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire pour que nous puissions bien vous accueillir. Je vous assure, ce sera puissant. Ce n'est que le commencement de l'année scolaire, mais nous avons d'autres merveilleuses dates à vous communiquer. On aura bien sûr au mois d'octobre, je serai à la conférence des aigles. Au mois de novembre, début novembre, je serai à Abidjan aussi pour un autre service de guérison. En décembre, on aura aussi des dates. En février, on aura des dates. Toute cette année scolaire sera remplie de bénédictions et j'espère te voir à ces endroits pour te communiquer la grâce de Dieu. Je te dis à bientôt. Gloire à Dieu. Donc, je veux juste repréciser que les adresses à Rennes et à Paris, elles ne sont pas les bonnes. Donc, à Rennes, ça se passera au 36 rue des Veillettes, comme d'habitude. Et à Paris, 34 avenue du Président Salvador Allende, comme d'habitude. Mais à Lyon, rien ne change. Nous sommes ce week-end, donc dans un jour et demi environ. La première réunion commencera samedi dans l'après-midi à 14h, quelque chose comme ça. Hein. Vous irez voir sur le site inscription.evangile.tv. pour avoir des informations. Si vous connaissez des personnes qui sont à Lyon ou dans le Rhône, invitez-les à participer à ce moment. À ce moment-là, bien, mes chers frères et sœurs, les anges de Dieu sont au rendez-vous, les anges de Dieu seront là et le ciel sera ouvert pour bénir ceux qui viendront recevoir leur guérison. Gloire à Dieu, gloire Seigneur. Je vais répondre à vos questions. Si vous en avez déjà, envoyez-les. Gloire à Dieu. Bonjour Donovan, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez-la mes chers frères et sœurs pour que d'autres personnes soient touchées. N'hésitez vraiment pas à la partager, ok? Super enseignement, merci pasteur, merci à Dieu pour l'inspiration qu'il vous donne. Merci beaucoup Daniel. En tout cas, allez pratiquer ça et vous verrez, vous aurez des résultats. Gloire à Dieu. Si vous avez des questions, allez-y, je vais profiter. On a 27 minutes pour que je réponde à vos questions. À vos questions. OK? Je vais connecter. Parce que avec ma tablette, je vois beaucoup plus de choses. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Ask your questions. Gloire à Dieu. Oui, le don de guérison opère aussi dans le cas de folie. Oui, le don de guérison opère dans le cas de folie parce que très souvent, parfois, les cas de folie sont causés par un dysfonctionnement, parfois du cerveau, même si on sait que ce sont des situations causées aussi par des esprits impurs, ok, par des démons. Donc, oui, bien sûr. Gloire à Dieu.
continuer à poser vos questions. Très bien. Bonjour apôtre, j'aimerais savoir comment distinguer le don de foi spéciale, le don de guérison, l'onction de guérison lorsqu'elle se manifeste et lorsque le don de guérison se déclenche, est-il obligé d'imposer les mains pour que la personne soit guérie? Ok, c'est une très très belle question, hein, mon frère Mathias. C'est une superbe question parce que l'autre don, parfois qui va se déclencher dans un ministère de guérison, c'est le don de foi spéciale. Lorsque vous étudiez la foi active, vous comprenez que très souvent lorsque quelqu'un utilise sa foi, elle finit par déclencher le don de foi spéciale. La différence entre le don de foi spéciale et la foi active, c'est que le don de foi spéciale est passif, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui le déclenche, alors que la foi active, c'est vous qui l'utilisez. Donc le don de foi spéciale, lorsque le Saint-Esprit le déclenche, il a toujours des résultats. La foi active va dépendre de l'état de votre foi. Bien sûr que lorsque vous exercez le ministère de guérison, le don de foi spéciale peut aussi se manifester. Est-ce que vous comprenez? J'ai entendu un jour le pasteur Chris dire, vous savez, moi je pense que j'ai un don de foi spécial. Et lorsqu'on voit les résultats dans son ministère, on comprend. Et c'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'enseignement sur la foi et qui comprend très bien la foi. Donc je pense que cet homme de Dieu qui a dit que quand vous commencez par la foi active et vous la développez bien, vous allez finir par provoquer un don de foi spécial. Moi je pense que cet homme de Dieu a raison. Gloire à Dieu. Est-ce que lorsque le don de guérison se déclenche, est-il obligé d'imposer les mains pour que la personne soit guérie? Non, c'est pas obligé d'imposer les mains. Par contre, vous devez respecter le protocole de Dieu pour votre don de guérison. Je suis en train de dire que quand Dieu déclenche un don de guérison en vous, en fait, il vous explique, dans votre vie, il vous explique comment ce don fonctionne et comment vous devez opérer. Est-ce que vous suivez? L'explication peut être à chaque fois que tu es en face d'un malade, attends que je te donne l'instruction. Est-ce que vous suivez? Et là, quand tu es en face d'un malade, Dieu te donne des instructions à faire, et parfois des instructions mais bizarres, mais quand tu obéis, ça se passe exactement comme ça. Ok? Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Il m'est arrivé de prier pour ma mère. Une fois, elle était malade, la guérison n'était pas immédiate, mais le lendemain, elle fut guérie. Est-ce que cela veut dire que j'ai le don de guérison? Tu as mis ta foi en la parole de Dieu. Tu as mis ta foi en la parole de Dieu. À chaque fois que tu mets ta foi en la parole de Dieu et tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris en fonction de l'état de ta foi. Si ta foi, elle est forte, les malades seront guéris. C'est certainement ce qui s'est passé. Je vous dis, le don de guérison, quand Dieu vous le donne, c'est comme avec le prophétique. Quand il va vous donner le prophétique, il va vous expliquer comment est-ce que ça opère et comment est-ce que vous devez opérer en fonction de ça. Est-ce que vous suivez? Le don de guérison, le Seigneur va vous expliquer comment activer vos dons, comment est-ce que votre don va opérer. Est-ce que vous suivez? Sinon, tout le reste, c'est la foi en la parole de Dieu ou bien le bénéfice d'une onction de guérison. Mes chers frères et sœurs, j'espère que je suis vraiment clair quand je vous explique. J'essaye de vous parler le plus clairement possible parce que ces sujets-là, beaucoup de chrétiens sont complètement dans la confusion. Ils font n'importe quoi et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats et ils se disent que Dieu ne fait plus les choses. Une autre question, peut-on prier pour un albinos parce que l'albinisme est une maladie aussi, c'est un manque de mélanine, peut-il retrouver sa couleur normale? On peut tout faire hein, par la foi. On peut tout faire, vous suivez? Par la foi, vous pouvez tout faire. Si vous voulez qu'il puisse retrouver sa couleur normale et vous priez, ben, vous le faites et vous aurez des résultats. J'ai un oncle qui est amputé d'une jambe suite à un accident. Le don de guérison, ça peut faire repousser. On a prié plein de fois il y a des années sans résultat pour l'instant, mais je ne désespère pas. Là, il est question en fait de ce qu'on appelle une guérison prodigieuse. Et la guérison prodigieuse est une catégorie de miracle. Est-ce que vous comprenez? Ça, on fait déjà intervenir ce qu'on appelle le don d'opérer les miracles. Quand quelqu'un a une jambe amputée et la jambe doit repousser, il ne s'agit pas d'une guérison simple, il s'agit d'une guérison prodigieuse qui est une sous-branche, vous comprenez, du don d'opérer les miracles. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, il ne faut pas que le don de guérison là, il faut le don d'opérer les miracles ou le don de foi spéciale ou une foi forte pour réussir à faire pousser le pied de cette personne. Gloire à Dieu. Mathias, merci apôtre.
Comment expérimenter ce don de guérison? Cela se reçoit à travers la foi ou par les dons de l'Esprit, à travers le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a les dons et il va les déclencher comme il veut en nous en fonction de notre appel et de notre destinée. Si vous aspirez au don de guérison, on a vu dans une des études, dans l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux, que un don se déclenche par l'aspiration. L'aspiration, c'est le désir profond et récurrent d'avoir une chose. Si vous voulez voir ces choses se produire et vous le désirez ardemment, vous verrez cela effectivement se produire. Ok, Ernest dit c'est clair. Gloire à Dieu. Bonjour pasteur, comment obtenir la guérison divine? Tu peux obtenir la guérison divine en croyant que Dieu veut te guérir et en acceptant ce qu'il dit dans sa parole. La Bible dit par son maître sur vous avez été guéri. Tu acceptes cette parole et tu commences à remercier le Seigneur pour la guérison. Tu loues Dieu pour la guérison et à chaque fois qu'un symptôme se manifeste, enlève tes regards du symptôme, fixe-les sur la parole de Dieu et remercie le Seigneur pour la guérison qu'il est en train de manifester. Tu verra les symptômes totalement disparaître. Bonjour pasteur, quand on sent une chaleur à la main droite, ça veut quoi? Peut-être que c'est une onction que Dieu veut mettre dans vos mains. Ça ne veut forcément pas dire que c'est une onction de guérison. Ça peut être une onction que Dieu met, Dieu vous oint pour faire quelque chose de spécial. Voilà. Gloire à Dieu, j'espère que je réponds à vos questions. Allez-y, posez-les. C'est très bien, vous avez des très belles questions. Hein. Vous avez des très très belles questions. Allez-y, continuez, on est là pour ça. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, commencez à la partager, mes chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Ok, partant de l'exemple de l'explication que tu as donnée sur l'amputation, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des maux du corps qui ne relèvent pas du don de guérison, mais du don d'opérer les miracles? Oui, il y a certains qui ont besoin de guérison prodigieuse. Voilà, il y a certains qui ont besoin de guérison prodigieuse. Par exemple, pour moi, par exemple, un albinos qui prend un teint bien, pour moi, ça fait partie d'une guérison prodigieuse. Est-ce que vous comprenez? Même si moi, honnêtement, bon, ça peut choquer certains, hein, mais vraiment, c'est la vie de chacun. Même si moi, je ne pense pas que ce soit... je ne sais pas. Je parle de l'albinos, hein. Je parle par rapport à ce que je devais dire par rapport à l'albinos. Je ne remets pas en cause tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux guérisons prodigieuses. Merci beaucoup Adrien, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous éclairer. Gloire à Dieu, posez vos questions. J'ai une très belle question là qui est en train de venir apparemment, mais pasteur, j'ai souvent une sensation d'une main qui se pose sur ma tête. Pouvez-vous m'expliquer cela? Sens d'une main qui se pose sur ma tête. Ça peut être une expérience spirituelle que tu vis au moment où tu pries. Hein. Ça peut être une expérience spirituelle. Ça peut être aussi une manifestation de l'onction parce que rappelez-vous que pour désigner la manifestation de l'onction, la Bible va employer, notamment dans l'Ancien Testament, on emploiera les expressions « la main de l'Éternel était sur »,« la main de l'Éternel fut sur moi », les prophètes disent, ou « la main de l'Éternel fut sur Élie ». Est-ce que vous comprenez? Ça peut être aussi une manifestation de l'onction. Ok? Gloire à Dieu. Posez vos questions pendant 10 minutes tout à l'heure. J'ai envie de prier pour les malades. J'ai envie de prier pour tous ceux qui sont malades. Si vous connaissez des personnes malades, vous leur demandez de se connecter. Je vais prier pour elles. Et la semaine prochaine, jeudi, la semaine prochaine, il y a des fortes chances, peut-être pas le jeudi, mais il y a des fortes chances que je fasse les émissions la journée et le soir,
et le soir pour l'émission Allô, le ciel est ouvert, parce que je ressens de plus en plus qu'il faut que je prie avec vous. Rencontre sur les réseaux sociaux, on partage la parole de Dieu. Allô, le ciel est ouvert, je prends le temps de prier pour vous et vos besoins, je vais recommencer à le faire. Je le ressens de plus en plus, donc ça va certainement démarrer la semaine prochaine. Restez connectés sur Facebook ou sur Évangile TV, parce que ces émissions-là vont être diffusées en direct sur Évangile TV. Bonjour pasteur, quand une maladie est d'origine démoniaque, que faut-il faire en cas de folie par exemple? Ta question est très simple, tu chasses le démon. Tu chasses le démon et généralement, ça peut arriver que le démon qui a causé une maladie, en fait, puisse laisser des dommages lorsqu'il est chassé. Là, il faut soit la foi pour la guérison, soit l'onction de guérison, soit le don de guérison pour réparer ce qui a été détruit dans le corps de la personne. Vous voyez, dans l'histoire du fou de Gadara, la Bible va nous dire que les démons amenaient ce fou-là à se scarifier. Est-ce que vous suivez? Donc, la folie du monsieur est partie parce que le Seigneur Jésus a chassé les démons, mais les scarifications vont demander la manifestation du don de guérison. Gloire à Dieu. Ok. Que faire si le don de guérison se manifeste alors qu'on ne conduit pas la réunion? Ou mieux, peut-on le manifester si le coordinateur de la réunion n'en donne pas l'espace? Si le coordinateur de la réunion n'en donne pas l'espace, vous ne pouvez pas exercer. Okay? Parce que les dons s'exercent dans une réunion, sous une coordination. La Bible va nous dire que tout doit se faire avec bienséance. Et quand l'apôtre Paul parle de bienséance ici, il parle de l'ordre. Et dans une réunion, il y a un ordre. Et notamment, il y a un responsable de la réunion qui va donner la parole à certains et il ne donnera pas la parole à d'autres. Donc, si ça se manifeste et que Dieu n'ouvre pas une porte, c'est-à-dire que le responsable ne dit pas « ceux qui veulent exercer, venez », ou bien « ceux qui ont une parole, venez ». Si le responsable ne dit pas ça, vous allez rester avec ça comme ça. Et soit dit en passant, vous savez, un don ou une onction peut se déclencher parce que vous êtes dans un environnement qui favorise le déclenchement. Ça ne veut forcément pas dire que vous devez exercer, ok? Si vous êtes dans l'environnement, ça va se déclencher. Est-ce que vous comprenez? Et très souvent, ça arrive. Je connais des gens, dès qu'ils sont dans un environnement spirituel propice, ils commencent à recevoir des paroles prophétiques et certains manquent de sagesse en allant maintenant de personne en personne pour libérer des paroles prophétiques, alors qu'ils ne sont même pas dans leur église, alors qu'ils ne sont même pas responsables de la réunion. Ça peut amener des frustrations et vous pouvez faire du désordre. Et ce n'est pas bien. Excusez-moi. Mince, il y a quelque chose dans mon nez. Aïe, excusez-moi. Ma cousine Frédérique vient d'être opérée ce matin pour un cancer du sein. Elle croit en Dieu. Pouvez-vous prier pour sa guérison totale, s'il vous plaît? Ou pouvez-vous prier pour mon mari Jérémy et moi qui désirons un enfant depuis 17 ans? Vous comprenez pourquoi il faut que je redémarre l'émission « Allez, le ciel est ouvert » la semaine prochaine, parce que je prendrai le temps de prier pour vous. Je prendrai vraiment le temps de prier pour vous. Père, je te prie de toucher la cousine Seigneur Frédéric, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que ton onction la touche là où elle est. Elle reçoit la guérison totale et la restauration totale. Père, merci parce que tu donnes un enfant à ma sœur dans le nom puissant de Jésus. Sœur en Christ, sœur Sandy, c'est le nom qui est là. La semaine prochaine, je vais commencer des réunions le soir en direct où je vais prier pour vous. Dès que tu as l'information de quand est-ce que je fais la réunion, arrange-toi à être avec ton mari et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et vous aurez un enfant. Mais il faut que vous soyez ensemble pour que je puisse prier pour vous. Ça, c'est la parole que je reçois maintenant. Est-ce qu'on peut obtenir une repousse de cheveux quand on a de la calvitie et que dans sa famille, tous les hommes en sont atteints? Grand-père, père, moi maintenant. Oui, oui, oui. Vous pouvez. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous pouvez. Avec la foi, vous pouvez tout obtenir. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que vous suivez? Donc, si vous voulez une repousse de cheveux parce que vous avez une calvitie, et même si votre père l'a eu, vous pouvez recevoir, j'ai envie de dire la guérison, mais vos cheveux peuvent repousser. Alléluia. La révélation que tu nous as partagée du fou de Gadara est vraiment puissante, franchement. Quand j'y pense encore, j'en suis encore ébobie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On prie pour toi.
Ivan Ro. Oh. Chamine Lola. Pourquoi tu mets l'email Ivan Ro? Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave. Je vais prendre d'autres questions. Kora sikaramando robosaya. Hallelujah. Rebesando lobosekele mendele besaya. Shintala ramasondo. Père, je te prie maintenant pour tous ceux qui me regardent, qui sont malades. Au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur toute maladie dans les corps. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de disparaître et de quitter les corps maintenant. Père, je viens te prier pour ton fils, pour ta fille, qui veut marcher dans la santé divine. Je déclare au nom de Jésus qu'il marche dans la santé divine, qu'elle marche dans la santé divine. Père, merci pour ton esprit qui se manifeste maintenant. Père, je te prie pour ces rencontres que nous aurons, Seigneur, la semaine prochaine, le soir, peut-être, Seigneur, où nous allons prier pour les gens. Je prie au nom de Jésus que ta grâce soit puissante et suffisante, que ta grâce se manifeste. Gloire à Dieu. Ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que on commence à Lyon. ACE Lyon ouvre cette semaine, samedi à 10h. Samedi à 10h, qu'est-ce que je raconte? Samedi dans l'après-midi, je crois que c'est à 14h, au 33 rue Louis Saillant, ouais c'est ça, à Vaux-en-Velin, 69 120. J'ai rêvé une fois que ma main se déformait. Est-ce que c'est lié à une maladie? Est-ce qu'on peut briser une maladie qui nous est inconnue? Quand tu as un rêve comme ça, si ça te fait peur, il faut prier. D'accord, Lola, c'est pour qu'ils reçoivent ton texte. Ok, pas de souci. Ok, mes chers frères et sœurs, on va retransmettre pour ceux qui sont loin de Lyon, hein, ceux qui sont à Lyon ou près de Lyon, à 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes et même à 1 heure de Lyon. Je vous invite samedi et dimanche pour le séminaire de guérison. Si vous avez des amis, parents malades, amenez-les, nous allons prier pour eux. Si vous avez des amis, des parents malades, vous allez sur inscription avec S. .evangile.tv, vous vous inscrivez maintenant et vous dites que vous venez avec un malade et vous dites même le nom de la maladie pour que nous puissions prier avec vous ce week-end. Donc, on se retrouve ce week-end, ce sera puissant, mes chers frères et sœurs. Je vous dis que ce sera l'ouverture d'une église, l'ouverture de ACER Lyon. Et dans les ouvertures d'église, les anges de Dieu sont généralement massivement assemblés. Ne ratez pas ce rendez-vous. Si vous êtes dans le Rhône ou vous êtes aux alentours de Lyon, au max à 1 heure, mes chers frères et sœurs, soyez là nombreux. Et la semaine d'après, le 16 et le 18, nous sommes à Rennes, au 36 rue des Veillettes. Ne ratez pas cette tournée de guérison. Et à Paris, le 30 septembre, le 1er septembre, et le 2 septembre au 36 avenue du président Salvador Allende, au 34 avenue du président Salvador Allende. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. On va vraiment tout faire pour diffuser le séminaire de Lyon pour que ceux qui sont très loin puissent le regarder quand même. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de Dieu. Je vous dis à bientôt. Cette émission sera retransmise sur evangile.tv. Sur l'onglet Rencontre sur les réseaux sociaux. À bientôt.